s'assurer la sécurité du freinage et garder la stabilité du véhicule même à haute vitesse, il est nécessaire d'adapter les pneus aux performances de la voiture. C'est l'indice de vitesse qui comporte l'information sur la vitesse maximum d'un pneu. Elle est représentée par une lettre et indique la vitesse maximale du pneu utilisée sous charge autorisée. L'indice de vitesse se trouve sur le flanc du pneu, à la fin du marquage de dimension. Les indices de vitesse les plus fréquents sont Q, au maximum 160 km à l'heure, R, au maximum 170, S, au maximum 180, T, au maximum 190, H, au maximum 210, V, au maximum 240, W, au maximum 270, Y, au maximum 300 km à l'heure. La meilleure solution est d'utiliser les pneus ayant l'indice de vitesse recommandé par le fabricant du véhicule. Au cas des pneus hiver, il est acceptable d'utiliser les pneus avec l'indice de vitesse inférieur. Pourtant, elle ne devrait pas être inférieure à l'indice Q, qui correspond à la vitesse 160 km à l'heure. Au cas de montée des pneus ayant l'indice de vitesse inférieur, il faut laisser cette information dans la voiture de manière qu'elle soit visible au conducteur. Pour en savoir plus, regardez d'autres vidéos.